Hey yo tout le monde les gens, c'est Rajoz, donc j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va super bien. On se retrouve pour un nouveau commentary, tu vois, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, ça faisait un peu longtemps. Et on fait scam en plus, tu vois, donc encore plus longtemps. Donc voilà, pour le coup, franchement, superbe occasion en plus de vous parler de la Paris Games Week en fait scam, pourquoi pas. Je pense que vous savez pourquoi je fais ça en fait scam pour la Paris Games Week, je pense forcément, tu vois. Parce que je vous attends nombreux, rencontre abonnés de ouf les potes. 15€ au centre coca tous les jours jusqu'au vendredi, parce que samedi dimanche je ne suis pas là. Mais voilà, du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, non pas samedi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà, ça suffit déjà, c'est déjà pas mal. Je serai au stand coca, donc voilà, là pas de soucis, à 15h, donc voilà, je serai accompagné de The Frag HD, donc pour ces rencontres abonnés là, donc avec aussi l'équipe de la Play Geek TV et aussi plein d'autres personnes, plein d'autres surprises et la Team Rage, tu vois. Un truc de fou, ça va être franchement énorme cette Paris Games Week. Franchement, j'attends ça vraiment avec impatience. En fait, entre parenthèses, le gameplay de fond que vous êtes en train de voir, c'est vrai que je l'ai pas présenté, donc attendez. Qu'est-ce que je vais mettre? Bah, j'en sais rien en fait. Donc, je pense que c'est avec du Black Ops 3. Donc, je sais pas, je crois que c'est avec un grand nombre de kills. C'est peut-être. C'est pas. En gros, c'est pas de la perf. Hein. Tu sais, je vous dis, genre, les gens en direct, et maintenant, je mets des commentaries, je mets des gameplays sur ma chaîne. Ça doit forcément être tout le temps la même chose. Non, pas du tout. C'est pas forcément tout le temps de la performance. Hein. C'est vrai que sur la rage, oui, forcément, on est un petit peu obligé, même si on essaye un peu d'en s'en détacher des fois, parce que ça saoule peut-être de temps en temps. Et voilà, franchement, tu vois, on est d'accord. Mais bon, sur ma chaîne, je compte pas non plus faire que ça, tu vois. En fait, ce que je fais sur ma chaîne, c'est des trucs que j'aime bien faire, tu vois. Donc, dès que je suis bon à un truc, en fait, j'aime bien y faire. Donc, forcément, la performance, je suis pas mauvais. Donc, franchement, j'aime bien mettre de la performance. Mais c'est vrai que changer un peu de mes habitudes, ça fait du bien de temps en temps, tu vois. Ça change un peu et c'est franchement, c'est ce qu'il faudrait que tout le monde un peu fasse de temps en temps pour se diversifier. Parce que si tu pars trop dans un domaine, après, tu leur fais une vidéo qui change de ce domaine, laisse tomber. Les gens ils t'insultent, tu vois. Enfin, bref. En tout cas, voilà. Là, ça a changé. C'est pas forcément de la perte. Mais bon, c'est quand même un bon gameplay, hein. Sur Call of, c'est pas non plus un truc, tu vois, qui sort de nulle part. Mais bon. Après, il y en a qui diront, ouais, t'as vu le mode de jeu et tout. Mais là, je fais pas de la perte. Je m'amuse, hein. Call of Duty, c'est tout. Voilà, c'est un peu ça. Mais bref, Paris Games Week, les potes. Donc, les gars. Putain, j'arrête pas de trembler. C'est lequel est. Non, bref. Tug Life, les potes. Non, voilà. En gros, attends, je vais essayer de stabiliser parce que là, je suis en mode selfie, tu vois, comme ça, tu vois. On voit un peu ma chambre. Ah oui, des potes, on voit un peu la chambre, mais ça me fait penser. Bientôt, vidéo setup 2.0, les potes, vous avez vu le micro qui pend et tout. Ça y était pas, la vidéo premier setup, là, le truc 1.0. Et ben, 2.0 setup, ça arrive de ouf. Double écran, nouveau PC, j'ai encore l'ancien pour faire les trucs de ouf, hein, franchement. Eh, je vous montre la chambre, là, parce que là, je suis devant, là, tu vois, tout ça, là. Vous voyez pas, parce que vous voyez moi derrière, etc. Mais ça arrive. Là, la Paris Games Week, je sais pas si ça va passer, si ma vidéo setup passe avant la Paris Games Week ou après. Mais j'hésite, franchement, j'hésite. J'ai vraiment hâte de vous proposer tout ça. À la Paris Games Week, d'ailleurs, bah revenons au sujet, hein, parce que c'est un peu ça, tu vois. Je serai avec un petit micro-cravate, tu vois, comme ça. Mais je me suis investi, hein, les potes, je me suis investi, tu vois. Micro-cravate, caméra, tu vois, avec un caméraman, bien sûr. Enfin, c'est mon pote. D'ailleurs, grosse dédicace à toi, Cyril, pote. Eh, Cyril, si tu regardes cette vidéo, eh, pote, grosse dédicace, ok. Grosse dédicace à toi. Et franchement, attends, faut que je m'évite de genre. Alors voilà, donc je vais faire un petit commentary, je me cache pas du tout, enfin voilà, enfin bref. Donc voilà, grosse dédicace à toi Cyril, voilà, donc on va y aller ensemble, c'est avec un truc de ouf, hein. En plus, on est invité à pas mal de trucs, on a des exclus, genre je crois que j'ai des bracelets Activision pour passer autant de fois que je veux, en illimité, etc. Donc voilà, pourquoi pas faire passer des abonnés, je sais pas si j'ai le droit, mais en tout cas je le ferai, hein. Si j'ai le droit, je le ferai, je le fais direct, tu vois, pote. Et donc voilà, donc j'ai hâte vraiment de vous proposer ça. G4G, je suis passé partenaire avec eux, avec la Neuurège, et eux m'ont proposé de participer à leur stand. Et moi je me suis dit, mais je vais pas participer, moi je te l'organise son stand, tu vois. Et franchement, j'ai vraiment hâte justement parce que je vais organiser un peu le stand, etc. Et j'ai fait passer pas mal de youtubeurs que je connais bien, comme TheFragHD et Dailymotion. Ils vont pouvoir commenter sur place, tu vois, au stand. Tu vois, là, tu sais, là, un poste commentateur en dessous, t'as les PC des tournois. Parce que G4G, pour ceux qui connaissent pas. Attendez, là c'est le truc, quand tu parles, t'as envie de respirer, mais non. Enfin, non, voilà. Enfin, bref, GKG, pour ceux qui connaissent pas, c'est Glory for Gamer. Donc, je vous invite à aller voir aussi leur site, hein. Franchement, ça me ferait plaisir parce que je suis partenaire avec eux. Donc, franchement, si je peux leur faire un petit peu de pub là pour l'instant, ouais, allez voir leur site là, pas de soucis. Donc, voilà, ils font du bon boulot. Enfin, c'est des tournois, enfin, ils font du boulot, tu sais. Je parle comme si je présente une chaîne YouTube là, tu vois. Non, en gros, oula, je m'écarte de la caméra. Alors, voilà, donc c'est un commentary. Voilà, donc en gros. Donc ouais voilà, allez voir leur site, voilà, je m'embrouille. Parce que en fait c'est des tournois, donc avec la base c'est Call of Duty normalement, mais bon là plein d'autres jeux maintenant, c'est League of Legends, Rocket League, enfin plein d'autres trucs. Et justement,
il n'y aura pas de Call of Duty, malheureusement. On n'a pas réussi à avoir Black Ops 3, malheureusement, mais bon, de toute façon, c'était improbable qu'on l'ait. Mais avec le stand G4G, mais on va avoir plein d'autres jeux, où vous pourrez, genre là, du Battlefield, ça, j'aimerais bien participer, parce que Battlefield, là, elle se kiffe ça, hein, tu vois. J'aime bien ça, là, le Radio Hardline, mais bon, de toute façon, j'ai ma place quand je veux dans leur stand. Parce qu'on va dire, j'ai organisé un peu leur stand, tu vois, de A à Z, enfin, pas de A. Non, pas de A à Z, mais bon, je suis parti de B, tu vois, enfin, et j'ai quand même fait pas mal de trucs. Je dis n'importe quoi moi. Non, en gros, si tu veux, je les ai vraiment aidés. Je leur ai rapporté beaucoup de contacts youtubeurs pour pouvoir justement commenter leurs trucs. Parce que ce que je disais justement avant, en gros, si tu veux, je leur ai ramené Dailymotion et The Frag HD qui vont commenter. Si vous voulez, sur ce stand là, t'as des tribunes en face, t'as les PC en bas pour genre les gens qui vont participer au tournoi, qui vont s'affronter sur différents jeux. Hein, il y aura du FIFA, Battlefront, ouais, je crois que la Battlefront, je suis pas sûr. Il y aura du... Non, je suis pas sûr en fait de Battlefront. Non, il y aura du... Du Battlefield Hardline, il y aura plein d'autres jeux, il y aura du Project Cars, il y aura des jeux, enfin voilà, il y aura des jeux. Ce sera dans le stand PlayStation, donc parce que c'est en partenariat avec PlayStation. Il y aura plein d'autres trucs comme ça, et donc voilà. Donc en gros, si vous voulez, eux, ils seront un peu en dessus et en face des tribunes, et ils vont commenter le tournoi. Ils seront aussi en stream. Oula, là je fais un truc de... En stream. Voilà, bref, oula. Oula, je pars en couille là. Donc en gros, ils seront en stream aussi. Voilà, et donc ils seront en stream sur le Twitch de G4G. Je sais pas si c'est un Twitch ou je sais pas quoi, mais ils seront sur le truc de G4G. Et aussi bah, en train de commenter bah, pour tout le public qui va passer devant. Et à la fin justement de ces tournois, pour donner les récompenses, ils vont aller sur la scène principale de PlayStation, de Sony, de tout ce que vous voulez, tu vois. Là, sur l'allée principale, là où il y a 50 millions de personnes qui passent. Et là, la pression, la pression, tu vois. Je sais pas ce que c'est, toi, mais moi aussi, j'aurais pu commenter là-bas et dire, ouais, je fais le commentaire et tout. Mais moi, là, ça, tu vois. Moi, c'est bien, là, tu vois, je fais une facecam, je fais tout, tu vois, je vais vous voir et tout. Là, un petit peu de pression, tu vois, c'est pas pareil, tu vois, là, derrière un écran, etc. Mais eux, ils vont aller devant 50 000 personnes, tu vois, qui passent dans l'allée, peut-être plus, peut-être 300 000 personnes, je sais pas combien il va en avoir dans cette allée. Ils vont être là en train de commenter avec un micro dans un stand, l'un des plus importants de la Paris Games Week, qui est le plus gros de la Paris Games Week. Oui, c'est le plus gros, c'est énorme. Et voilà, vous imaginez même pas, tu vois, le bordel, tu vois. Moi, j'aurais le cœur, tu vois, il sortirait, tu vois, il partirait loin, tu vois. Un truc de fou. Enfin bref, de toute façon, c'est eux qui font le truc, hein. Moi, peut-être que les années prochaines, les années qui suivront la Paris Games Week, je le ferai aussi. Mais alors, par contre, va falloir du cran, les potes, hein. Franchement, je peux faire énormément de choses derrière un écran. Mais alors là-bas, quand t'es en direct devant le truc, c'est pas pareil, hein. Tu peux pas te... Là, regarde, ça se trouve, ça fait peut-être 50 fois que je recommence le truc, hein. Peut-être que tu le sais pas, là, ça, hein. Tu le sais pas, hein, que ça fait 50 fois que je me fais chier à faire ces putains... Non, je rigole. Non, mais en gros, si tu veux, tu le sais pas, tout ça. Si tu mets en gros, en direct, t'as pas droit à l'erreur, quoi. C'est un peu ça, quoi. Enfin, bref. Fini de plaisanterie, tu vois. En gros, est-ce que je vous ai dit ça, rencontre abonné 15h au centre Coca, je sais pas si je vous l'ai dit. En tout cas, je vous le redis. Ce sera avec The Frag HD et plein d'autres youtubeurs. De toute façon, voilà, vous avez juste à retenir. Voilà, c'est un Coca, 15h, c'est bon, t'as retenu. Non, je... Ah, tu sais, tu fais comme à Siri, tu vois, tu dis Siri, mets-moi un rappel, 15h au centre Coca, s'il te plaît. Voilà. Enfin, moi, j'ai pas Siri, tu vois, moi, j'ai pas iPhone, je sais pas quoi, je connais pas ça. C'est quoi ça, iPhone, quoi. C'est quoi ça. Non, moi j'ai Android, tu vois, le bon truc Nexus, en plus pur Google, tu vois, pur Android, quoi. Ça me va très bien, tu vois, je demande pas plus. Enfin, mon portable il fait à peu près 15 tablettes à la fois, mais c'est pas grave, tu vois, c'est genre tu te mets comme ça pour téléphoner. Oui, alors attendez, je pose mon téléphone par terre, faut que j'appelle pour toucher les boutons, tu vois, faut que limite tu prennes à deux mains, trois mains, mais tout le monde a qu'à faire. Faut que j'arrive à toucher le bouton qui est là-haut, tu vois. Enfin bref, moi j'ai gros truc, tu vois. J'ai le Nexus 6, on pourrait regarder, c'est 5 pouces, je crois, un truc comme ça, donc c'est énorme. Donc voilà, c'est vrai que ça devient une petite mini tablette, hein, quand tu y penses, mais bon, faut pas le dire, tu vois. Genre le gars qui se crache dessus carrément sur son portable, ouais, moi. C'est d'habitude, c'est plutôt le gars, ouais, mon portable c'est le meilleur, je te le dis pas, tu vois. Mais... Bah en fait, il est bien, hein, franchement, là, pas de soucis, hein. Mais bon, c'est pas le sujet, donc voilà, je pars en couille, je pars loin, c'est pas grave, de toute façon, c'est ce que vous aimez, tu vois, quand ça part un peu loin, un peu en live, etc. Bref, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Ah oui, d'ailleurs, faut que je m'excuse par rapport à ça. C'est que en gros, bah pendant 2 semaines, ah oui, ça fait presque 3 semaines même. Et bah en fait, la première semaine de contrôle, les trucs, tout ce que tu veux, les profs ils sont tous redonnés rendez-vous dans la. Tu sais, les trucs réunion parents prof, réunion, je sais pas, délégué, je sais pas quoi et tout, là, je suis sûr. Ou les trucs réunion prof, tu vois, tout court, tu vois. C'est genre, tu vois, bon, alors, je trouve qu'ils bossent pas assez, tu vois, les gens, hein, les élèves, hein. Alors on va leur filer pas mal de trucs, tu vois. Alors toi, aujourd'hui, tu mets quoi, toi, le lundi? Oh, je sais pas, bah au pire, on met tous les deux un truc et puis le mardi aussi, tu vois. Voilà, hein. Comme ça, c'est normal. Non, mais en gros, si tu veux,
les profs, t'as l'impression que cette semaine là ils sont gavés, tu vois. Ils sont dit, cette semaine, poteau, tu vois, on a rien foutu avant, donc on va bosser, on va tout foutre ici. Et puis voilà, du coup, forcément, j'ai rien eu le temps de faire pour au niveau des vidéos, etc. Il y avait de la rage à gérer, alors là, je vous explique même pas. Même la rage, c'était calvaire, hein. C'était genre, je finissais les journées, c'était 1h30 du matin parce que fallait que je gère tout ça. Alors forcément, tu vois, et après t'as les dislikes, etc. T'as les vidéos qui marchent moins bien, etc. Alors ça te démoralise, limite, c'est on t'écrase, on saute dessus, tiens. Nique ta ra... ma facecam, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, vous me voyez toujours? Oui, vous me voyez. Parce que moi, mon écran, moi, je me voyais plus. Parce que moi, je me vois commenter, tu vois. Je vois un gars qui commente comme ça, tu vois. Enfin, bref. Ouais. On s'en bat les couilles, frère, tu vois, on s'en bat les couilles. Bon. Et voilà, je disais que j'avais rien pu faire et tout. La première semaine de vacances, vous allez me dire, ouais, t'es en vacances, etc. Non, mais t'es ouf, toi. Enfin, je suis en vacances, mais limite, je bosse plus que quand je suis en vacances ou quand je suis pas en vacances, hein. Enfin, c'est mon Philippe, là, les trucs, fallait que je fasse. T'imagines, tu dis, mon dieu. Alors, mes devoirs, c'est quoi? C'est faire un site internet, pote. Mais t'as cru qu'un site internet, c'est. Bah oui, bien sûr, tu sais, genre de. Je le montre, oui, allez. Vas-y. Non, bien sûr, bah ouais, c'est pas ça, tu vois, c'est. Putain, je m'écarte, c'est bien sûr, oui, alors. Ouais. Bref, donc oui, donc faire un site internet, donc oui, c'est un peu long, etc. Bref, et d'ailleurs, grosse dédicace à Skydumper qui va m'aider, parce que lui, on se connaît bien, tu vois, on a fait le site performance, là, le truc, le classement team performance, ça, je vous invite à aller voir, même, ce sera dans la description, dans ma chaîne, dans la description de ma chaîne, tout ce que tu veux, la moyen d'aller voir ce site, de toute façon, vous tapez juste, et... Si vous voulez taper un truc sur Google, vous tapez genre juste un test, hein. Tu tapes perf code, c'est moi qui ai promis sur YouTube. Tu tapes. T'as vu le petit test, hein, le gars qui se teste un peu pour se rechercher, tu vois. Et tu tapes aussi sur Google, par contre, pas sur YouTube, tu tapes classement perf, ou un truc comme ça, ou classement performance, Call of Duty, ou tout ce que tu veux. Tu vas tomber sur un site, de toute façon c'est le mien, ou sinon tu regardes les descriptions de mes vidéos, tu vas trouver de toute façon dans tous les cas. Donc voilà, tu vas voir ce site, il est super bien fait, mais bon voilà, c'était pas comme ça, je l'avais fait genre en 3 mois donc avec Sky, donc c'est pas rien. D'ailleurs je me suis même plus sur la gamme. Donc voilà, donc en gros, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, parce que là ça fait quand même 11 minutes 50 que je commence cette vidéo. C'est vrai que du coup j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses, donc ouais, il avait mon site, etc. Il avait la rage à gérer, il avait toute la Paris Games Week. Alors ça, la Paris Games Week, mon pote, la Paris Games Week organisée, tu vois, d'habitude j'y vais en mode blédard, tu vois, t'es en mode je prends mes places, j'ai pas de passe, j'ai rien, tu vois, c'est en mode je fais la queue 3 heures et tout. Là je me suis dit non, c'est pas possible, du coup j'ai contacté tout le monde, j'ai les trucs que je peux, voilà, ça me suffit très bien. D'ailleurs, grosse dédicace à Anis, franchement, poteau, grosse dédicace à toi. Tu sauras pourquoi, mais voilà, c'est un GFX de la rage. En tout cas, grosse dédicace à lui. Donc je vais conclure cette vidéo. J'espère que vous allez mettre un max de like, parce que franchement, c'est pas tout le temps que je mets des vidéos en facecam. Et si vous voulez que j'en fasse vraiment plus souvent, et ben là, c'est à cette vidéo là, c'est vraiment, si tu veux vraiment, si tu likes jamais et si tu t'as envie que je refasse des facecam, alors like par contre là, tu vois, et partage cette vidéo. Je veux au moins que cette vidéo batte le record de like. Je sais même pas combien il est le record de like. Je crois que ça like un truc comme 250 ou 270. Poto. 270 likes à battre, on va dire. 270 likes. C'est vrai que là, je me dis, mais en fait, si je les fais pas, ça fait quoi? Bah, ça fait rien, en fait. Mais enfin, bref, faites-le pas, tu vois. Enfin, mettez des likes, tu vois. C'est genre, c'est le gars qui se rabaisse. Mais en fait, ça va faire quoi si vous mettez pas de likes? Non, en fait, en vrai, si vous voulez, un like, ça va vous faire juste augmenter votre vidéo par rapport aux autres vidéos dans un classement YouTube, en gros. En gros, tu sais, quand tu tapes performance, je sais pas quoi, ou tu tapes DNA ou j'en sais rien, et bah ta vidéo, si t'as fait une DNA, parce que tu sais, t'as pas que moi qui a fait une DNA au monde, hein, c'est sûr, ça serait sinon, tu vois. Mais sinon, en gros, tu vois, comme t'as 50 millions de personnes qui ont fait la même chose, si tu veux que tu te démarques par rapport à ces vidéos-là, et bah tu mets des likes et ta vidéo le remonte un peu dans le classement, etc., tu vois. Donc franchement, si tu veux m'aider, c'est vrai que je regarde jamais la cam, en vrai, si je regarde moi, tu vois, je me regarde moi à l'écran, mais c'est le gars qui se part tout seul devant une glace, tu vois. Donc oui, je vais te regarder, ok. Ouais, bon. Ouais, sinon la vie, très bien, c'est bon. Bon, je vais vous laisser, parce que là, ça commence à craindre. C'est bon, ça craint un peu, donc je vous laisse, tu vois. Bon, bref. Donc les gars, si vous avez aimé cette personne derrière cet écran là qui est en train de se taper des barres tout seul, mets un like, mets un partage, mets un petit commentaire. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. C'était Rage Ghost, peace.